Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ready or Not. Et cette fois-ci je suis en compagnie de Wolf et c'est tout. Nous étions en train de faire une session en coopération à deux et nous avons joué cette partie assez épique sur la map du concessionnaire automobile. En fait, j'ai rarement joué une partie aussi agressive de la part des IA sur Ready or Not. Et franchement, en termes d'action, vous allez être servi. Je vous laisse regarder ça en espérant que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Ah, à midi, là, derrière la camionnette blanche, là, j'ai des pieds. Si c'est un civil ou pas. Non, je prépare le bouclier au cas où. Ouais. Derrière la camionnette en face. Porte à droite est fermée, bon. Ouais. On peut changer. En fait, t'arrives, en passant par là, t'arrives dans son dos là. Ouais. À terre. Vas-y, passe devant, je m'occupe de lui. Comment ça, trou du cul? Casse-toi de là! Rien à faire là pour l'instant. Vas-y, on va aller voir là-dedans. Un petit coup de caméra. Bon, y'a personne, y'a pas de piège. On dit aller. Ok. Oula, il y a un mec juste devant la porte d'entrée et il est armé. Juste derrière la porte à gauche là. Celle-là là. Ah, il se déplace, j'ai l'impression. Je peux rien poser sur cette porte. Je vais ouvrir, Wolf, t'es prêt? Ouais, vas-y. Hands up. Get down and put your hands up. Il a bougé. Oh putain! T'as pris? Ouais, je crois qu'il m'a blessé un peu. Ok, je récupère son arme. Un mec armé à gauche là quand on rentre. Il se déplace. Il va arriver par là là. Il va sortir par là. Ouais. Il verrouille la porte. Prêt à rentrer? Sorti, la porte est ouverte. Okay. Oh putain de bâtard. Mon dieu. Il est pas tout seul. Ok. Au fond, ouais, ça se déplace, ouais, ça se déplace au fond. Les deux sont armés. Hein. C'est quoi que j'ai comme grenade? Je sais pas, c'est une stun, je crois. Tu l'as pas lancé très loin. Hein. C'était un. Il y en a encore un deuxième. Hein. On ferme la porte derrière toi. Parce que si ça fait encore le tour par l'extérieur. Ouais. Je vois plus grand chose. Hein. J'ai un impact en plein milieu. Ouais. Okay, recharge. Pose derrière toi. A gauche, il y a un mec normalement dans la pièce qui est ouverte. Ouais. Dans les bureaux. Les portes sont fermées. Hein. Ok. Une porte qui s'est ouverte. Il est passé devant moi, il y a un mec. Il est parti à gauche. Mais, le problème c'est qu'avec ta flash sur le... Je crois que ça arrive dans nos 6 là. Là il y a un mec dans nos 6, il est retourné dans le bureau là où il y avait le rétroprojecteur. Là. Oh, y'a un civil là! Monsieur! Arrêtez-vous! Ah
laissez, je vois plus rien. Il est où? Traité. Putain de civil. Il est armé en plus ce con. Allez, c'est bon, salut. Ça va quoi? Le bouclier, je vais pas dire qu'il est mort, mais je vois plus grand chose à travers. Il m'a rafale avec quoi là? C'est un pompe qui avait, je crois, j'ai pas fait attention, mais il me semble. Ah non, c'est pas un pompe, hein. Ça arrêtait pas de tirer, c'était une automatique. Je vais sécuriser l'arme au sol. Ouais, t'as du bouclier. Ouais. Le problème, c'est l'impact qui est pile poil au milieu. Mais tu vois plus rien. Il est en plein milieu, tu vois. Il couvre exactement là où ma torche éclaire. Ouais. Donc je peux même pas viser, quoi. C'est. En fait, là, quand le mec il a commencé à tirer dessus, je pouvais pas intervenir. J'avais. J'en ai pris quelques-unes, ouais. C'est ouvert à gauche. Ah, ils sont déchaînés aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce qu'il avait lui comme arme là? Du lourd. Je vois pas ton mec, le mec qui est descendu là, je le vois pas. RPD. Dans l'escalier, il est mort, hein, ouais. Ok. Là, ils en voient que deux gars, mais ils auraient pu nous dire qu'il y avait autant d'ennemis, quoi. Armés, surarmés même. Il a quoi lui? Un petit Uzi. Bon, tu la reportes, c'est bon? Ouais, c'est reporté, du coup, c'est sécurisé. On va essayer de nettoyer d'abord les pièces, même si je pense. Fais gaffe, ça tire à travers la vitre là. Il est automatique, hein. Il est aussi, Ouais, c'est bon, il s'est pris un coup de Ok, monde. J'allais acheter une grenade là, mais. Ouais, coup d'AK, hein. On n'aurait pas fait long feu. Personne. T'as ramassé l'arme du mec là ou pas? Ouais, le mec c'est fait. Ok, je vérifie vite fait mes chargeurs. Il n'y a plus qu'à nettoyer les bureaux. Il y a des documents à récupérer normalement? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas regardé. Il va falloir les deux bureaux qui sont là. Non, au niveau du garage. C'est pareil, j'ai pas regardé la salle du projecteur. Hein. Bon, on reviendra au pire, mais. Il y a des pièces qu'on n'a pas ouvertes en bas là. Ouais, j'y suis. Hein. Ok, d'accord. C'est écrit chienne. Ok, les documents ils sont là. C'est bon. Yes. On n'a pas pu faire beaucoup de prisonniers là. Franchement, comment ils nous ont rush. Celle-là, s'il y a un civil ou quoi, et puis. On va bouger. Comment ils nous ont rush là, c'était compliqué. Hein. Je vois rien, peut-être à droite, s'il y a quelque chose. Attends, je revérifie comme s'il n'y a pas un piège. Il y a un coup d'œil vite fait. Mais... Non, c'est bon. Ferme la porte. Ah ok, je t'arrête de me dire c'est quoi ce bruit. Ok, c'est clair. Putain, il y a un bug de texture avec le sang. Quand t'es à côté de la porte, ça s'applique sur ton perso. Ah ouais? Ça te le fait pas toi là? Ah si. Ah ouais. Le sang qui a été projeté, ouais, exact. Hop. All right, lights take out, sir.
Au garage. Follow. Personne, ça ouvre sur la droite. C'est pour ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Non, oh, jouer à Ready or Not. Yes. Passe à Hot Dog. Ouais, je sais pas. Ouais, Hot Dog, ouais. On peut jouer à deux, mais il y a qu'un seul joystick. On fait comment? On peut pas couper le courant là? On va prendre l'escalier qui est à droite. Hands up. Grâce. Ok. Donc on va au fond. Comme tu veux, soit la deuxième partie de garage, soit on va au fond. C'est quoi déjà la deuxième partie de garage? Là. Ah, ça souffle ça? Ça te donne sur l'extérieur, non? Ouais, mais tu peux rejoindre le garage aussi. Vas-y. Là, ça donne où? Y'a rien ici. Ouais, je crois que c'est fermé. Ok, bonjour monsieur. Ok, deux mecs armés à l'intérieur. Enfin, le deuxième, je vois pas bien, mais à mon avis, vu comment il est habillé, il est armé. C2 ou pas? C2, C2. C2. Allez, C2. Sinon, bah, je vais lancer la Stinger. Non, je vais poser le C2. Pourquoi je peux pas le poser? Il va tirer à travers la porte, je vais me faire avoir, tu vas voir. Ah, ok, ouais. C'est là. Ok. Attention. Go, go, go! Voilà, il est énervé. Oh là 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 là. J'étais à deux de lui tirer dessus. Et l'autre il s'est fait neutraliser, ok. Elle est où son arme? Il y a qu'après l'explosion de la porte direct. Comment t'as. Il a un petit problème d'ajustement. Ouais, c'est parce qu'il est chauve. Ah, il y a un piège. Ah, c'est marrant, je peux l'avoir d'ici. Alors, suspect sur la gauche, éventuellement civil. À confirmer, on verra. Merde. Tu veux te faire un plaisir de breacher la porte ou pas? Non, non, vas-y. Bon. On essaie d'utiliser le matériel quand même. À gauche, il y a un mec. J'ai entendu sur ma droite aussi. Ok. Allez, rends-toi. Putain, mais c'est pas possible ces mecs là, là. On t'a dit à terre là. Ah. Ok, contact the train, sir. Ah, c'est le mec qui m'a traité tout à l'heure. Ok. On a trois portes ici. Il m'a semblé entendre gueuler à droite, hein. Ouais, je sais pas. Oui, en effet, il y a un mec au fusil à pompe à 10h. Je vais ouvrir et je vais stun une grenade. Il n'y a pas de piège au moins? Non, c'est bon. Oh, il est juste là, à l'entrée. Il y en a qui se barre. Ok, c'est bon. Il a lâché. Bien joué. Il la passe un peu. Fuck. Get down and put your hands where I can see. Ça arrive, hein. Ouais, vas-y. C'est ouvert, je sais pas si c'est l'extérieur ou pas. Strange, sir. Ils ont tous les mêmes tatouages, les mecs, là.
C'est ça. Vas-y, je te suis. Je sais pas si on peut voir s'il y a un piège. Non, je peux pas regarder. Il n'y en a pas. Comme j'ai enlevé, tu sais, en bas le... mon bonhomme là pour voir s'il est blessé ou pas, je sais pas du coup si j'ai pris des dégâts. Enfin, il me semble que j'en ai pris, mais je sais pas. La porte est ouverte. À quel niveau? Il y a un mec armé. Et Justin. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Ouais, ouais, tu nous as entendu. Ouais. Get down and show me your hands. Tu l'as traité? Putain, il avait pas pris la grenade? Non. Ah putain. T'as pris des dégâts du coup? Ou il t'a raté? Non. Non, non, il m'a raté. T'as de la chance, hein. En tout cas, les dégâts étaient pas assez importants. Allez, regarde la grenade, elle est où? Regarde, elle est là. Ah non, moi je la vois pas ici. Elle est... Ah bon? Ah, elle est pas synchro. Pour moi, elle est là, là, contre le mur là. Juste à mes pieds. Donc il aurait dû la prendre quoi. Ok, il y a un mec armé d'un Uzi. À 11h, il se déplace. Ah merde, attends. Ah bah elle est là, la grenade pour moi. Où ça pour toi? À mes pieds là, contre le mur. Ah ouais, c'est bizarre. Donc il y a un mec armé, un Uzi. Je vais ouvrir. Il est où? Bah il était à 11h, entre 11h et midi, il se déplace en fait. Il a bougé, mais en fait c'est d'où on vient là. Ouais bah écoute, il est... J'entends courir. Fais gaffe derrière. Je ferme. Il est parti où ce con? Derrière? Ouais, c'est derrière cette porte ou quoi? Je vais rentrer de l'autre côté. Oh putain! Il t'a eu? Non non, mais il doit être derrière la porte. Non, je le vois pas derrière la porte. Elle est derrière quelle porte là? Attends, parce qu'en plus je vois mal avec le bouclier. Hands up now! Police! Hands up! T'as failli tuer le mec qu'on avait arrêté, hein. Ah ouais? Ah mais il est parti où le gars? Recolle sur toi. Il était habillé en blanc, genre chemise. Il a fait le... Il est dehors. Oh mais il me touche à travers le mur avec ça. Oh non! C'est n'importe quoi. Oh mais non! Et je ne voyais que son coude. Putain. Officer is hurt. Need medical attention. Ah ouais, on a besoin d'un médecin là. Regarde, tu vois là où j'ai eu mes impacts? Je voyais que son coude. Il y a que ça qui dépassait. C'était impossible qu'il me touche. En plus, il avait un Uzi. Il y a un impact de balle sur le mur. Moi, je l'ai tiré à travers la fenêtre là. Ah, fait chier. Il reste encore du monde. Bon, j'essaie de la terminer rapidement. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait? Là-bas, là, ça s'ouvre ça? Ouais. Ah mais non, je voulais... Il n'y a pas de piège. Get down and put your hands up.
Petite voix off comme sur ma précédente vidéo, la recherche des derniers ennemis peut être longue et j'ai préféré couper au montage ces moments où il ne se passe pas grand chose et aussi pour que la vidéo ne dure pas 40 minutes. Et je pense que je ferai ça à chaque fois car il arrive souvent qu'on cherche pendant de longues minutes le dernier civil ou suspect. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Hands up! Get down! Put the gun down now! Alors, fuir. C'est un civil lambda, il partirait pas en courant, hein! Hands up! Hands up! Mm-hmm. Ok, donc c'est pas un civil lambda. Get down and show me your damn... Putain, ils sont énervés dans ce concessionnaire, hein. Je te jure. Ils ont pas eu assez de bonnes restaurants. C'est un truc de fou, quoi. Suspect is out for the count. Get down and put your hands where I can see. Get down and put your hands up. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun civil, quoi, tellement tellement tous les mecs qu'on croise, ils veulent nous tirer dessus, quoi. On est déjà venu ici, donc faut qu'on fasse l'étage. Il y a une pièce là-bas aussi, je sais pas si on l'a faite. Il y a un mec juste derrière qui se déplace. Ok. Bon. L'autre avec un tatouage sur le crâne, ça a pas l'air d'être un gentil. Et l'autre il a un gilet pare-balles. Ah, il y en a qui s'est barré. Putain, il fait chier. J'ai pas de loupiote sur ça. Ah non, j'ai mis le laser sur... Vous l'avez pas l'air armé, mais bon. On sait jamais. Oh putain. Ah ouais. J'ai raté l'angle de la porte. Ouais ouais, shit cops, ouais. Allez, salut. T'as sorti le pompe. Ah tu vois, il a dû se le prendre un petit peu quand même. Ouais, c'est pris lui. Moi aussi, mais bon. T'es mal au point. Bon, le chargeur commence à faire la tronche. Salut toi, civil. Ah, j'ai pas. Faut bien regarder s'il y avait un piège. It's the police. Hands up now. Police. Hands up. Hands up. Mais. Mets-toi à terre là. Voilà. On n'en parle plus. Il y a des potes à toi là-bas, au fond là. À terre. Hands up. À terre, j'ai dit. Hands up. Putain.
Énorme la réaction de celui qui est juste devant là. Il se baisse. Ah, c'est chiant ça. Voilà. C'est mieux quand tu coopères. Ok, personne sur la gauche. Ok, all done. Zipped up and ready. Get off me! Keep doing my job, sir. Oh là là! Oh, fais pas le con, toi! Putain, tu vois, j'avais juste jeté un coup d'œil, il était vraiment dans le coin, lui. Qu'est-ce que tu fais qu'une cagoule? Fie-toi. Ah! Y'a plus de lumière! Mais il s'est passé un truc ou. Il y avait de la lumière, Wolf, on est d'accord? Ah, mais pour moi, ça a pas changé. Alors c'est. Ah, bah écoute, c'est. Changement d'ambiance. Ouais, je sais pas. Je vois pas ton changement d'ambiance. Non, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Ah, ouais, y'a des. Ouais, ouais, y'a des petits problèmes d'éclairage. C'est une alpha, c'est une alpha. Mais là, pour moi, il y a des endroits, pour moi, il fait nuit et ouais. Oh. Il y a encore du monde. Et vous êtes combien là-dedans? Ne ressort pas par là. Toi, tu restes là. Il y a une autre porte là-bas? La double porte à droite. Ah ouais, bien vu. Laquelle, c'est la exit, c'est la sortie sur la deuxième partie du garage intérieur du showroom. Là. Ah bah tiens. Il y en a à l'intérieur. Ah, c'est le billard, non? Ouais, exact. Bon. En fait, comme ça, c'est un civil de base. Baisse ton. Non, j'allais dire baisse ton arme. À terre! À terre! Voilà, mais. Fais pas semblant, je t'en mets une. Il va lui coller du poivre, ou donne lui un coup, je sais pas. Bon, tu vas prendre un petit coup de crosse là. Non, il prend rien, ah si. Mais, mets-toi à terre et c'est terminé, on n'en parle plus. J'en peux plus de ces mecs là. Ils se barrent en plus. Ok, 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 je me rends. Il m'en a mis plein la gueule. Non mais je sais pas quoi, rends-toi direct. Ouais bah oui, il va rentrer chez lui mais... Great job. Bon les amis, cette vidéo s'arrête ici, on est d'accord que le score est mauvais mais entre nous, j'aime jouer ce genre de partie où l'ennemi peut te surprendre à chaque instant. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire. En attendant je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, portez-vous bien, si elle est jeune. We'll be right back.